conseille en trois mots, spontanément, c'est l'excellence. C'est la confiance. Peut-être implantation locale. Des partenaires, une famille. C'est les compétences pour accompagner les clients tout au long de leur vie patrimoniale. Après, le professionnalisme. Indépendance. Et des gens de très grande qualité. Les trois mots qui me viennent pour parler d'Artus Conseil, c'est la réactivité, le professionnalisme et les vins de Bourgogne. C'est une société de conseil en stratégie patrimoniale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous travaillons avec nos clients dans l'approche globale de leur patrimoine. Premier critère, dans un rendez-vous, nous écoutons d'abord nos clients. Savoir ce qu'ils ont à nous dire, leur environnement, comment ils vivent, le patrimoine, les points améliorés qu'ils pourraient se situer dans le patrimoine. Ce qui va nous permettre de nous imprégner du patrimoine et d'une famille patrimoniale. Dans un deuxième temps, nous allons procéder à une préconisation de conseil. Une fois que notre client a validé la préconisation de conseil, nous allons passer à la solution produit, support d'investissement pour asseoir la stratégie patrimoniale validée avec notre client. Et cela en toute objectivité, puisque par essence, et parce que je l'ai souhaité également, nous n'avons pas de produit maison. Troisième critère, et peut-être certainement le plus important, c'est l'accompagnement dans le temps. Un accompagnement qui s'est fait au fil du temps sur différents dossiers, et en transparence et en confiance, qui est très important. Ce qui est très important aussi, c'est la notion du temps par rapport à des projets familiaux, et en particulier lorsqu'on a un projet de succession qui s'anticipe bien en amont. Très tôt, on a impliqué tous les membres de la future génération dans ce qui se passait dans l'activité de la société pour créer ce qu'on appelle l'affectio societatis, le lien avec la société pour savoir ce qui s'y passe. La transmission est un sujet problématique dans notre pays parce que les successions, en règle générale, sont assez fortement taxé. Effectivement, la transmission, c'est un sujet important et nous, nos partenaires privilégiés, effectivement, conseillers en gestion patrimoine, comme Artus Conseil, dont on est effectivement bon partenaire. Mais l'objectif, c'est en fait transmettre in fine cette éducation financière qui est l'expertise, effectivement, du conseiller en gestion patrimoine. En anticipant, on organise toujours mieux la succession et elle coûte surtout moins cher en matière de droits successoraux. Alors, la transmission, pour ce qui concerne l'activité d'Equiteam, c'est essentiellement les contrats d'assurance vie. Alors le thème de la soirée sur la transmission, il n'est pas anodin. Ce soir, on va faire monter sur scène nos deux nouveaux experts comptables diplômés au cabinet qui chacun a fait un mémoire sur le sujet de la transmission. Donc voilà, c'est un thème fédérateur qui est dans l'air du temps puisque la population est vieillissante. Nous, notre travail, c'est d'accompagner au maximum le cabinet Artus Conseil dans tous ces domaines d'activité. La transmission est évidemment un élément clé. Ensuite, au sein des domaines d'investissement auxquels peut avoir recours le cabinet, nous, on va offrir tout un panel de solutions d'investissement, que ce soit de type action ou de type obligataire. On a une large gamme de fonds d'investissement qu'on met à la disposition du cabinet. Je travaille depuis très longtemps, historiquement, avec le cabinet Artus Conseil, qui est d'ailleurs l'un des principaux cabinets de la région Bourgogne-Franche-Comté. On travaille depuis une dizaine d'années, je pense, ensemble, et sur une approche un peu spécifique, qui est la gestion thématique, que l'on développe beaucoup chez Natixis IM. Mon lien avec Artus Conseil sur l'immobilier, c'est vraiment de pouvoir leur donner toutes les clés pour comprendre l'ensemble des véhicules immobiliers, que ce soit les SCI, les OPCI ou les SCPI, qui sont des véhicules de transmission, parce que les SCPI, comme vous le savez, sont quand même des véhicules qu'on peut garder très très longtemps et transmettre à ses descendants. Equiteam et Artus, on travaille beaucoup sur la recherche de solutions, essayer de proposer à des entreprises ou à des associations ou à des fondations de pouvoir placer et en sécurité leur trésorerie. Alors le message, eh bien, c'est que justement, nous, notre objectif, c'est de pouvoir faire bénéficier les investisseurs de la classe d'actifs de l'immobilier résidentiel qui aujourd'hui a vraiment un fort potentiel et donc de pouvoir leur faire partager les performances au travers de nos solutions d'investissement. On travaille avec Artus Conseil depuis 2006, c'est une maison familiale et nous aussi on est une maison familiale, donc la collaboration de deux familles. On est là ce soir pour expliquer ce qu'on fait sur les marchés d'actions, quelles sont nos anticipations, comment se comporte l'économie mondiale et comment est-ce qu'il faut investir au face des changements qui vont venir sur les mois et trimestres à venir. Et Artus Conseil, pour moi, c'est vraiment un cabinet de gestion de patrimoine, vraiment de qualité, et qui a vraiment une indépendance dans ses choix d'allocation. Et c'est extrêmement important pour l'intérêt du client final. Donc le cabinet François est l'organisateur de cette soirée. On a invité tous nos clients
et il y a des préoccupations patrimoniales, donc on s'est rapproché d'Artus Conseil pour faire un partenariat. Les soirées patrimoine, comme on les appelle, on les pratique maintenant depuis environ une dizaine d'années. Ce soir, nous avons environ 100 à 120 clients présents. Pour nous, c'est que chaque client puisse ressortir au bout de 2 heures dans ce genre de conférence un petit peu plus enrichi. Et je dirais, pour conclure cette présentation, que notre mission essentielle, c'est d'apporter de la valeur. Tant que nous apporterons de la valeur dans les patrimoines de nos clients, on peut penser que ceux-ci nous seront fidèles.